Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une affaire de blanc a failli la mettre dans les problèmes. Parce que oui, elle avait une amie sorcière qui voulait voler son étoile. C'est pas de la blague. Écoutons ça. Et j'ai une histoire à vous raconter. Ce matin, lorsque j'étais au Gabon, j'avais une copine camerounaise. Cette copine en question, bon, c'était pas vraiment une copine en tant que telle. On se voyait parfois vu qu'on travaillait ensemble. On travaillait ensemble, donc on est devenus amis, on se fréquentait. J'allais chez elle, elle venait chez moi et tout. C'est comme ça que moi, j'étais partie du travail avant elle. Moi, on m'a enlevée, on m'a virée du travail. Après, quelque temps après, elle m'a suivie. On a continué à se fréquenter et tout. On a gardé notre amitié. Mais de temps en temps, on se voyait. De temps en temps, elle disparaissait. C'est comme ça parce que moi, personnellement, sans forcer, sans aller chez les marabouts, sans faire quoi que ce soit, c'est naturel. Les blancs m'aiment beaucoup. Quand je suis au milieu des blancs, on ne voit que moi. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Je n'ai rien fait. Ça, c'est naturel. Donc, moi, je ne savais pas que ma copine en question, elle avait déjà remarqué cela. C'est comme ça, une fois, on est allé en boîte. Quand j'étais encore au Gabon, on est allé en boîte au Gabon. On est allé au Cotton Club. Lorsqu'on est allé au Cotton Club, oh, cette soirée-là, c'était rempli des blancs, rempli des blancs. C'est comme ça que je me suis rendue dans les vestiaires pour me soulager. Elle m'a suivie. Elle avait une petite paire de ciseaux. Elle avait une petite paire de ciseaux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette petite paire de ciseaux? Elle me dit, oh non, j'ai envie de couper les cheveux du blanc. Si toi tu peux prendre cette petite paire de ciseaux, comme les blancs, les blancs t'aiment bien, tu as un contact facile avec les blancs et tout. Donc si tu peux couper les cheveux de un blanc et puis tu gardes ça, je connais une dame là, on va aller là-bas, elle va nous faire les médicaments, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que d'autres filles qui ont des blancs, qui sont mariées avec des blancs, ont plus que nous? Nous aussi, on mérite d'avoir des blancs. Je lui ai dit qu'en tout cas, ce que tu veux faire là, c'est pas prudent. Moi, ça me dit pas. C'est comme ça qu'on a pris les photos dans la nuit, on a couvert. Après, moi, j'étais fatiguée, je suis rentrée. Quand je rentre, elle m'appelle. Tu as pu avoir ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que je connais une maman là. On irait là-bas et tout. Vu que moi, en grandissant, je suis vraiment très, 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 très méfiante et très, très, très prudente. Parce que je suis une personne, c'est rare, des personnes qui m'aiment sincèrement. Souvent, c'est plus l'hypocrisie, le mensonge. Donc, c'est vraiment rare qu'on m'aime vraiment. Et moi, depuis toute jeune, maman m'a toujours interdit. Ma maman m'a toujours interdit d'avoir des copines. Elle me dit que je ne veux pas entendre que tu as des copines. Toutes mes petites sœurs ont des copines sauf moi, dont j'ai grandi comme ça. J'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai grandi comme ça. Je suis toujours dans mon coin, je suis toujours seule dans mon coin. Je n'ai pas de copines. C'est comme ça lorsqu'elle me dit non, tu as pu avoir, machin, on va aller chez la maman là et tout. C'est comme ça que je l'ai sorti un problème. Je lui ai dit que non, on n'essaye même pas de faire ce que tu as envie de faire là parce que j'ai fait un rêve sur toi, là où tu allais, tu étais dans un hôtel avec un blanc et tu voulais couper ses cheveux. Et le blanc s'est réveillé, il s'est dit que tu voulais le tuer, il a appelé la police et on t'a enfermé. Après cela, je suis restée là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais attends, comment est-ce qu'elle va m'emmener? Bon, moi, je vous dis que moi, les choses des marabouts, déjà, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Ah non, du tout. Déjà, je suis chrétienne, donc. Les choses de marabout, ça m'intéresse pas. Et c'est comme ça. Et lorsque je voyais cette fille, je voyais quand même que c'est une fille qui fétichait beaucoup. Donc elle avait déjà vu ce que j'ai en moi. Elle voulait prendre ça. Elle voulait qu'on aille chez la maman là, dès que je coupe les cheveux du blond, je lui donne. Et ils vont aller renverser les étoiles là-bas. Moi, je lui ai dit que pour moi, je lui ai dit que moi, les blancs qui me suivent, les blancs qui m'aiment, j'ai un contact facile avec les blancs, c'est naturel. Et ma maman m'avait interdit ma maman m'avait interdit d'avoir des copines parce que j'ai ma tante, la petite sœur de ma mère, qui était mariée officiellement avec un blanc.
que sa copine avait empoisonné pour prendre son blanc. Ma tante en question, elle est décédée. Et ma maman a dit non, elle me voit avec la même étoile que ma tante. Donc, elle ne veut pas que j'aie des copines parce que je risque de finir comme ma tante. Donc, j'ai toujours grandi seule jusqu'à j'ai maintenant 33 ans. J'ai toujours grandi seule, j'ai toujours été seule dans mon coin, là où il y a beaucoup de filles, machin, tout ça. Moi, je suis pas là. Je suis pas là. En fait, je suis très, très, très méfiante, très, très, très méfiante. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi pour dire à mes sœurs de faire vraiment attention aux copines, de faire vraiment attention aux copines. Donc, c'est un peu ça. Vous avez entendu? Vraiment, faites très attention aux copines. Faites très, très, très attention aux copines. Surtout que maintenant, les gens ne sont plus bons. Les gens ont un mauvais cœur. Quelqu'un peut rire avec toi comme ça, mais son cœur envers toi peut être noir. Méfiez-vous de tout le monde. Ne faites confiance en personne. Et que ces gens de détails-là ne vous étonnez pas ou ne vous surprennent pas et ça ne passe pas inaperçu. Comment va-t-elle vous demander de couper les cheveux d'un blanc? Sérieux, sérieux, sérieux. Ah, même si on dit, restez éveillés. C'est pourquoi si on se borne, nous faisons de telles vidéos pour vous amener à voir ce que vous ne pouvez pas voir. Ce genre de choses existent. C'est la sorcellerie. Mais c'est pas tout. Tout à l'heure, vous allez voir quelque chose. Vous allez entendre quelque chose d'extraordinaire encore. Ah, ça risque de vous étonner. De méfier des copines, faire attention aux copines. Et moi, je trouve que je suis seule, je me sens très très bien, je me sens beaucoup mieux. Je suis seule, je me sens bien. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Donc, elle a voulu m'amener chez le marabout pour renverser mon étoile, pour renverser mes chances, parce qu'elle avait déjà remarqué ce que j'ai en moi. Parce que chaque fois qu'elle et moi, on était souvent ensemble, même lorsqu'on sortait du travail, on entrait d'attendre le taxi pour rentrer à la maison, les voitures garées, c'était des blancs. Quand on appelle, elle commence à dire « moi, moi ». Après, le blanc dit « non, l'autre ». Donc, elle avait déjà remarqué ça plusieurs fois. Et par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, j'ai toujours été méfiante. Et j'ai vraiment réfléchi à son sujet. J'ai dit non, non, ça c'est pas clair. Pourquoi c'est elle qui connaît une maman? Je sais que qu'est-ce qu'elle allait dire à cette maman Ganga là. Si elle vient me donner une paire de ciseaux pour couper les cheveux des blancs, ça veut dire qu'elle était déjà allée voir la maman là avant. La maman là lui a dit il faut lui donner les ciseaux, elle va couper, elle te donne et puis il faut l'amener ici elle-même. C'est comme ça que moi j'avais réfléchi et j'ai coupé tous les ponts avec elle. J'ai vraiment coupé tous les ponts avec elle. Et nous sommes perdus de vue jusqu'à j'ai voyagé. Je suis partie du Gabon, je ne l'avais plus revue. Voilà, c'était ça mon témoignage. Merci beaucoup pour cette histoire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Couper tous les ponts avec l'ennemi. Vous allez écouter encore une autre femme qui a vécu quelque chose d'étrange, de surnaturel. Écoutons-la. Je veux parler d'une histoire. J'ai beaucoup d'histoires, mais je commence d'abord par la première. Ce qui m'est arrivé ici, parce que moi je vis aux États-Unis, cela s'est passé en 2017. Oui, je devais quitter la ville où j'étais avant. J'aimerais taire les noms pour une autre ville, là où je travaille, parce que c'était à 1 heure de mon travail. Là où je vivais était à 1 heure de mon travail. Sauf quand j'ai déménagé, mais j'avais quand même laissé mes frères dans l'ancienne ville où j'étais. Arrivé là-bas, comme j'étais aussi un peu, j'ai eu la promotion là-bas. Moi, je gagnais bien la vie. Et en 2017, je me suis acheté une nouvelle voiture. C'était la Hummer H3. Et il y avait une fête dans l'ancienne ville où j'étais. Et la dame avait insisté vraiment qu'il faut que je vienne. Et comme j'avais eu un peu de promotion, j'étais chef d'équipe, donc j'avais un peu plus de responsabilité qu'avant. Donc je devais arriver 1 heure avant tout le monde et partir à la maison 1 ou 2 heures du temps après tout le travail. Donc je devais, je devais make sure. Donc, je devais tout vérifier avant de repartir à la maison, si le travail est bien fait,
si on a tout nettoyé, en tout cas de mettre tout à l'ordre. C'était un samedi, je devais travailler, j'ai dit à mon ex-mari, bon, comme on insistait, je vais au travail, mais je reviens tôt, comme ça nous irons à la fête. Arrivé à la fête, bon, comme c'était vers 18h ou 17h ici aux États-Unis, moi je suis une Congolaise et c'était, je pense, 23h ou minuit au Congo. Du coup, mon papa rêvait dans la nuit, il avait vu l'antilope marron, sa peau était un peu, comment dirais-je, un peu jaunâtre, la couleur de ce poil. Son antilope venait guetter devant notre portail. Il est venu pour la première fois, il a guetté, il est reparti. Il est venu pour la deuxième fois, il a guetté, il est reparti. Et quand il est venu pour la troisième fois, mon papa l'a vu et il a envoyé des garçons dans ses rêves attraper cet animal-là, ne le laissez pas. Ils ont poursuivi l'animal et l'animal s'est jeté dans, parce qu'il y avait une rivière, il y a une rivière à côté de notre maison. L'animal s'est jeté dans l'eau, mais c'est comme s'il y a un couteau qui était dans l'eau, qui a poignardé l'animal et il est mort. Du coup, ici aussi, quand nous sommes arrivés à la fête, les gens ont vu, oh, elle a acheté une nouvelle voiture, là, ah merde, la voiture se coûte cher, blablabla. Les gens ont commencé à parler, ils ont entouré ma voiture, oh, il faut arroser, ceci, cela, bon. J'ai rigolé, bon, je me suis dit, c'est l'ambiance de la fête. La fête est finie, comme j'avais laissé mes frères dans l'ancienne ville, et mon ex-mari a dit, au lieu de conduire une heure dans la nuit, nous sommes tous fatigués, c'est mieux de dormir ici. Et on repart le matin. On repart demain. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai fait un peu de nettoyage dans la maison de mes frères. J'ai fait la cuisine comme c'était des garçons. Et vers 16h, 17h, je repars. 17h, oui, parce que là, il était minuit chez nous au Congo. So, on repartait à la maison. C'est comme si j'ai somnolé un peu. C'est mon ex qui conduisait. J'entends seulement, il dit « Hey ». Hey. Quand il a dit hey, trois fois j'ai ouvert mes yeux parce qu'on roulait à 100 par heure parce qu'on était sur l'autoroute. Mes enfants étaient derrière nous, deux nous étions devant. Quand j'ai ouvert mes yeux, maintenant, mon ex voulait dévier l'animal. Bon, à ce temps-là, moi, je l'ai appelé papa. J'ai dit, daddy, ne dévie pas, daddy, cogne. Il dit, non, je lui ai dit, il faut cogner. Il me dit, on a maintenant commencé à se chamailler. Il me dit, non, si tu pars à côté, on va faire un tonneau, on va mourir avec les enfants. Il a dit, cogne. Maintenant, il cherchait maintenant à dévier. On a commencé maintenant à disputer. J'ai dit, daddy, tu ne passes pas, il faut cogner. C'est là maintenant, il cogne l'animal. Quand il a cogné l'animal, ses cornes ont percé le, comment on appelle ça, carburateur ou, I think. Parce qu'il y avait une liquide qui avait coulé. On ne pouvait plus démarrer la voiture. Donc, dès qu'on démarre, la voiture chauffe. On a cogné l'animal. L'animal est mort sur place. C'est là qu'on a déplacé maintenant l'animal. On a appelé la police. Parce que ça, il faut faire un rapport à la police. Et comme on ne pouvait plus conduire la voiture, on devait chercher maintenant un endroit, garer la voiture et puis repartir. La voiture que je venais d'acheter, il n'y a même pas deux semaines. C'est là maintenant que j'appelle mon papa, je me mets à... Parce que moi, mon papa, c'était mon meilleur ami. J'appelle mon papa. Je me mets à pleurer. Papa, mon argent, ici, la vie est difficile. Papa, je souffre. Papa, mon argent. Papa dit, mais ton argent, fait quoi? Je dis, papa, la voiture que j'avais achetée, je t'avais envoyé la photo. Je viens de faire un accident très grave. J'ai failli mourir avec les enfants. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas morts. C'est l'animal qui est mort. Papa me dit, attends. Mon papa maintenant m'a décrit, alors qu'il est au Congo, mon papa m'a décrit l'animal qu'il a vu dans le rêve. Je dis, papa, oui. Enfin, mon papa maintenant me dit, est-ce qu'il n'y a pas même ce poil qui sont collés sur la voiture? Je dis, papa, je vais vérifier. C'est là qu'on a vérifié, effectivement, il y avait ces poils. Mon papa dit, prends ce poil-là, mets ça dans un plastique. Quand tu arrives à la maison, allume le feu ardent, brûle. En brûlant ça, il faut parler.
J'ai dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. J'ai pris maintenant le poil qui était collé dans la voiture, je suis parti avec chez moi à la maison, j'ai allumé le feu, j'ai mis maintenant le poil là, je pleurais, j'ai dit, mon argent, moi, c'est ma suyère, toi, tu veux me tuer, moi et mes enfants, nous t'avons fait quoi? Vraiment, je fais le retour, le back to sender, le retour à l'expéditeur. J'ai fini, ils sont venus, ils ont towé la voiture pour amener ça là, ils vont réparer. Je ne sais pas comment on dit towé ça en français. Il va amener ça maintenant là où on devait réparer la voiture. On a réparé la voiture. Maintenant, quand on a fait les back to sender, 3 semaines après, mon oncle meurt. On dit quand il est mort, il avait mon nom. Il ne parlait que de moi. Il ne faisait que citer mon nom de sa bouche. Quand mon père me dit, il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est déjà passé. Donc, pour dire que non, mon petit conseil est que même si nous sommes ici chez les Blancs, nous sommes loin de nos familles, il faut toujours prier parce que y a leurs yeux, comme ce sont des yeux spirituels, ils sont toujours braqués derrière nous, comme nous avons leur sang. Maintenant, pour les aveugler, il faut beaucoup prier. Comme ma maman, c'était une femme vraiment de prière. Elle priait tout le temps pour moi. Elle priait tout le temps pour moi, mon papa aussi. Et moi-même, malgré mes distractions, au moins avant de sortir, je priais. Avant de monter sur mon lit, je priais. Donc, c'était ça, mon histoire. Merci. Waouh, vous avez entendu ça? Maman, faites attention. Restez éveillés. Surtout, priez avant de sortir. Ha! Nous allons écouter encore nos témoignages, c'est parti. Bon, je vais te raconter un peu ce que nous, on a vécu. Et c'est qu'on vit. Ma mère s'est mariée à mon papa. Lui, étant déjà dans la secte. On ne savait pas parce qu'on n'a pas demandé. Tu sais, généralement, quand nous, on n'a pas demandé, c'est pour savoir si la personne est compliquée ou pas, ou si la personne s'est compliquée à la langue ou pas. Aussi vu réellement du temps où c'est juste bon. Ma grand-mère nous connaissait pas, elle n'a pas demandé, elle a laissé. Comme elle a laissé, elle n'a pas demandé. Mon papa s'est marié à ma maman. Et mon grand-père, quand il a su ça, il a victorisé mon père. Il a dit il ne va pas chercher la chemise, sa fille sans trouver. Et quand il a victorisé mon père, lui, il avait peur de mon grand-père. Il avait bien peur de mon grand-père. Alors quand mon grand-père est décédé, mon père a dit à ma mère que maintenant je peux faire ce que je veux. La seule personne que j'avais peur est partie. Je suis libre de faire maintenant ce que je veux. C'est ce qu'il a répondu à ma mère. Ma mère n'avait pas bien compris ce qu'il... Elle n'avait pas compris pourquoi il disait ça, elle n'avait pas compris le message qu'il était en train de la passer. Quelques temps plus tard, les menaces commencent. Mon papa fait souffrir ma mère. Ma mère a si bien souffert. Et il y a un truc aussi que j'aimerais rappeler. Ne jamais, jamais, jamais prendre la totalité de la dot d'une fille. Quand vous prenez la totalité de la dot d'une fille, sache que vous êtes en train de vendre votre fille. On ne fait jamais ça. Et si cette personne insiste pour payer la totalité, sachez que ce n'est pas une bonne personne. Sachez que la fille qui prend là, c'est pour aller vendre. C'est son commerce. Ce n'est pas une fille qui prend pour rester avec elle pour toute la vie. Donc faites très attention sur ça. On ne prend jamais la totalité de la dot d'une fille. Parce que si mon grand-père avait pris pour ma mère, c'est qu'aujourd'hui, ma mère n'est plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé les menaces. Après, il a lancé ma vie. Mais c'est qu'à ma mère qui est tombée gravement malade. Quand elle était gravement malade, elle allait au village. Lui, il nous interdisait d'aller manger chez le voisin.
il ne nous donnait pas à manger. On se débrouillait, on partait, et puis on rentrait, on nous disait papa, quand on part comme ça, il rentre, il dit que je sais que vous n'êtes pas insulté, parce que vous allez demander de partir. Que ce soit la dernière fois, il nous arrête, il nous frappe. Il nous frappe, il nous frappe, il nous frappe, il nous frappe. Que comme ça, que comme ça. Ma mère, elle est morte au village. C'était chaud. Elle est même morte avant de ressusciter. Si elle est la menacée par la grâce de Dieu, ses intestins tout pourris, il dit bien tout pourri. Elle était couchée pendant un an. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. On a coupé, on a remplacé avec ses tuyaux, avec les tuyaux. J'ai dit beaucoup merci au docteur qui l'avait soigné. Lui-même ne savait pas qu'elle devait vivre. Quand il a vu, il a dit tu es grand. C'est Dieu qui t'a fait être comme tu es aujourd'hui, Simon. Et les cas comme ça, rares sont ceux qui survivent. Alors, quand ma mère est venue, mon père, lui, et ma petite sœur, la dernière, elle était chez ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle, elle tombait malade et elle a eu le beriberi. Mon père m'a dit que ma petite sœur était chez mon oncle, ma grand-mère, ma maternelle, et puis elle est tombée malade. Nous sommes restés là quand ma mère est venue, on a dit sauver. Et quand mon père était venu, qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait quand je vais prendre la deuxième femme, vous pleurez, vous n'avez pas encore vu quelque chose, vous allez voir. C'est ce qu'il nous disait. Quand je vais prendre la deuxième femme, vous allez voir. Attendez. Vous ne souffrez même pas encore. Attendez. C'est comme ça qu'ils nous répondaient, oui. Nous, on restait là, on ne parlait pas. Quand ma mère entend, on a dit Dieu merci, nous sommes restés jusqu'à ce qu'il ait décédé. Parce que quand il est décédé, quand ma petite, la dernière, elle est la même d'abord, elle dit, c'était soit lui, quand elle est née, ça devait normalement sortir un garçon. Si ça sortait un garçon, ma mère devait mourir. Mais comme c'est sorti, on a fait le test, c'est sorti un garçon. Mon père, il savait que ça devait être un garçon. Et si ça sortait une fille, c'est mon père qui partait. Quand ça s'est sorti une fille, oh, les problèmes encore. On est entré dans le foyer de ma mère. Et la fille, et après, ma mère est maintenant allée au village comme elle est tombée malade parce qu'il a maintenant fait une autre tentative de meurtre. On n'a pas marché quand ma mère rentre maintenant. Elle tombe encore gravement malade. Et maintenant, il nous répète seulement qu'il doit aller au village se reposer, On ne comprenait pas. Il dit qu'il va aller au village se reposer. On a dit ok. On est resté à la police. Au mois de septembre, samedi le 10 septembre, dimanche le 10 septembre 2010, il est décédé. Il partait, comme il avait une boutique de chaussures et une boulangerie. Et il est entré dans sa secte à travers la boulangerie. Hein. Il est entré, et c'est son frère, son grand frère, qui l'a mis dans la secte. Parce que son grand-père faisait la boulangerie, son grand-père a dit que c'est bien, son grand-père l'a mis dedans, parce qu'il lui vendait la boîte que ses chaussures. Son grand-père l'a mis dedans, son grand-père l'a fait entrer dans la secte, a fait découvrir les choses. Mais il avait le gros cœur, il voulait aller, parce qu'il aimait taper la poitrine. Mais il voulait être le chef des chefs. Du coup, sa part de conseil était trop pénible que celui de son grand-frère. Et son grand-frère l'a encouragé. Quand ma mère a dit qu'il doit aller au village se reposer, comme il décède là, c'est d'où on confirme. Tu marches, tu sens quelqu'un derrière toi en train de marcher. Et que partout, on avait peur. On a travaillé jusqu'à ce que c'est fini. Quelques années, chaque année maintenant, je tombais malade comme si, je ne sais pas, on se sentait toujours menacé. Menacé, on prie, on travaille, rien. Rien, jusqu'à présent, il y a que je repasse. Il est là, il est ce qui nous fait subir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh. Oh, c'est seulement on prie Dieu qui nous protège. Parce que le papa, là, il est mort. Mais son esprit et ses frères qui sont derrière, ses frères ne veulent pas laisser. Ses frères, ce sont des grands sorciers. Ils ont atteint la 9e chambre. Ils boivent même du sang humain en journée. Donc, ils sont capables de manger la chair.
chez eux. Nous, on ne part même plus au village. Et quand on va au village, on ne passe même pas sur la maison, là, le côté là. On évite. Parce que c'est la manière qu'ils ont beaucoup mal. Ils nous ont beaucoup tenté. Oh, on a combattu avec eux. Merde. Je dis, la manique. Ils ont pris les biens, on les a laissés. Il y avait un terrain avec une maison. Ils ont pris, on les a laissés. La boulangerie, on les a laissés. Le terrain, on les a laissés. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas nous voir grandir. Ils ne veulent pas nous voir progresser. Ils ont gâté mon frère. Mon frère, c'est même avec beaucoup de chance qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, ils m'ont gâté. Par la grâce de Dieu, je suis comme je suis maintenant, debout. Mais jusqu'à là, ils ont mis mal. Moi, j'ai perdu tout contact avec eux. Parce qu'ils sont dangereux. Je suis en rien. Ils sont très amusés. Et ce sont des démons en personne. Mon oncle est dans sa maison qu'il a construit. Dans sa maison, il y a des esclaves dedans. Il a enchaîné les enfants des gens, les bébés qui sont dans les ventres des gens. Comme les femmes rient n'importe comment avec n'importe qui sans se protéger. J'ai dit sans se protéger du genre où elle est enceinte, mais avant de sortir, elle ne lance même pas une jupe dans le sac, le sel, rien. Il enlève les bêtises, il enlève. Et puis il peut emprisonner là, une chambre là, on n'entre, personne n'entre là-bas, sauf certains Indiens. Il y a parfois les Indiens qui viennent. Ce sont seulement les Indiens avec certains voyageurs qui dorment dans la chambre là. Ils passent toute la nuit dans la chambre ensemble. Après le lendemain, ces gens repartent. Il y a des gens qui sortent un peu de partout du monde, qui viennent, ils entrent dans la chambre, ils font les réunions et puis ils repartent. Oh. Si tu entres là-bas, tu es quelqu'un qui est vieux. Tu vas voir les âmes des gens, des enfants qui pleurent. Toi-même, tu vas pleurer les larmes. La maison de mon village, quand j'ai regardé ça, je n'aime pas partir là-bas. Parce que quand je regarde avec les yeux, je vois que le sang. Le sang. Je suis un peu éveillée du côté mystique parce que j'ai grandi dans ça. Du coup, quand je vois certains choses, j'imagine, je vois, je comprends. Et aussi, si je parle dans un endroit qui est trop compliqué, on a versé du sang, je vais connaître. Il y a les présences et certaines manifestations qui ont fait connaître. Et je voulais dire aux jeunes de faire très attention parce que le terrain est gâté. Les gens sont mauvais. Peu importe que ce soit ton frère, ta soeur. Peu importe la personne, tout le monde aime la vie, méfie-toi, prie beaucoup. Prie beaucoup, passez tes bras du nez, devant être du nez, son aujourd'hui. Avec tout ce que je vois, on en parle que vous. Et tout ce qui arrive, et tout ce qui est derrière encore qui vient. Merci. Que le Seigneur nous garde. Voilà ma petite histoire. Incroyable, mais vrai. Frère et soeur, que Dieu nous garde vraiment. Écoutons ce mot, quoi, notre témoignage. On dit comment, c'est parti. Bon, j'ai une histoire à raconter là. Bon, l'histoire qui se pose, il y avait un temps que je suis sortie de mon foyer, j'avais un enfant. Bon, je disais que je voulais entrer dans le monde de l'ordinerie. Bon. Mais voilà, un temps en Gaoundéry, je suis rentrée à la maison familiale. J'avais une fille qui avait 1 an et demi. En voilà avec la galère. Tu sais que quand tu sors du mariage, que tu n'as pas l'argent, bon, tu dis que tu vas essayer quelque chose, même comme le commerce. Le commerce, là, j'ai commencé d'abord un petit commerce, comme vendre les vignes, ça ne donnait pas. Bon. J'avais une copine là, elle me dit que bon, il y a un monde là qui donne l'argent. Quand tu sors là, tu te croises avec les grandes personnes. On te donne l'argent, comment. Bon, me voilà qui la suit donc derrière. Avec l'histoire de copinage là. Je la suis. Bon, on part au niveau de joli soir. On part
bas là, là-bas, il y a une femme là qui braise au poisson. On reste là, là-bas. Environ vers... On a traîné jusqu'à 23 heures. Je lui dis que, maman, ça ne paye pas, c'est mieux qu'on rentre. On se met donc, on dit qu'on finit de manger le poisson chez la femme là, à joli soir, devant un bar là. On finit de manger donc le poisson. On fait les 100 pas pour qu'on monte au niveau du carrefour de Ala Diapo là. On est en train de faire les 100 pas. En voilà une voiture qui freine. La voiture là, une grosse voiture noire avec les vitres fumées. Arrive là, il freine. Ils sont deux dans la voiture. Bonsoir les demoiselles. On les dit donc bonsoir. Vous partez où? On dit qu'on est en train de rentrer. On dit qu'ils voulaient parler avec nous. On les a dit ok. Comme tu sais aussi que tu veux aussi entrer dans le domaine que tu ne sais pas, tu acceptes aussi. On me dit qu'ils veulent qu'on parte ensemble, qu'on passe la nuit. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Comme ma copine là, elle, dans le monde de la borderie là, c'est depuis, elle commence à proposer l'argent. Vous allez nous donner combien? Le monsieur nous dit que, comme c'est toi qui as demandé, tu dois alors proposer. Elle dit que, ah, bon, on ne peut pas vous dire ce que vous pouvez nous donner, mais on part donc. Nous voilà donc dans la voiture, nous sommes en train d'aller, nous sommes allés. Il y a un hôtel là vers la gare marchandise. Tel là, on a déjà fermé. Maintenant, c'est devenu une brousse. Nous voilà donc, on arrive à l'hôtel. Les gens là, ils disent qu'on passe la commande à la réception. On prend les jus en attendant qu'on prend les chambres. Bon. Nous voilà donc on passe la commande au réceptionniste qu'on nous donne les jeux. Bon. Nous, tu connais l'histoire entre nous, les copines, on commence à chuchoter. J'ai dit à ma copine là qu'elle me dit que, bon, où est-ce que tu vois là, si on trouve qu'ils ont l'argent là, on vole. On trouve quelque chose, même un fonds de commerce. Parce que l'histoire, au niveau qu'elle voit là, ils ont l'argent. Elle dit que ok, on a quoi à perdre? Ils vont me voir où? Donc voilà, on boit notre jus. On entre dans les chambres de l'hôtel. Bon, les messieurs entrent dans la chambre parce qu'il y avait deux chambres divisées. Moi, j'entre dans la mienne et l'autre aussi entre dans la tienne. Bon, ils entrent dans la chambre. En entrant dans la chambre, le monsieur... Il dit qu'il veut se doucher. Et ça coïncidit qu'au même temps que pour ma copine. Me voilà donc, j'ouvre la valise. Et je vois les billets de 10 000. Merde! Je n'ai jamais vu l'argent comme ça. Une grosse valise. J'ouvre là, je trouve les billets de 10 000. Donc j'ai dit que, merde, si je vole même beaucoup d'argent, même je prends le tout qui est en haut là, il ne va même pas connaître. Bon, me voilà qui est en train de soulever l'argent, je vois un gros serpent noir. J'ai commencé à réciter les sourates dans mon cœur. Le monsieur est dans les toilettes. J'ai même eu la peur que pas qu'il sort, même qu'il me trouve. Le pain que j'avais, les chaussures, ni le foulard, j'ai trouvé que ça pesait. Me voilà qui fuit donc. Je prends la course, je suis en train de courir. Je viens, je me tamponne avec ma copine. Je lui demande que c'est comment. Elle me dit non, ma chérie. Histoire-ci là, on ne peut pas parler ça ici là. Il va falloir qu'on part. Pas qu'on nous trouve même ici là, les gens là, ils sont dans le femme là.
nous voilà qui sont en train de courir. Je suis en train de courir avec l'autre à l'essor. Avec le rouge, je n'ai même pas le foulard ni le paille. Nous sommes en train de courir. À un moment donné, on se trouve au niveau de ça, à Bongari. Je me pose là, je dis à ma copine, c'est comment? Elle me dit que toi d'abord. Je lui dis que non. Toi d'abord, raconte-moi d'abord l'histoire. Elle me dit que non. Je lui dis d'abord ma part. Je lui ai dit que maman, j'ai ouvert la valise. J'ai trouvé les billets de 10 000. J'ai dit qu'il faut que je vole, je prends aussi ma part. En soulevant le truc, j'ai trouvé un gros serpent. Elle me dit que maman, c'est la même chose qu'elle a aussi trouvé. Nous voilà là, on est en train de dire, Dieu nous a sauvés. Subitement, il y avait le moment là, c'était les petits téléphones, les Motorola là. Je ne sais même pas, on ne les a même pas donné le numéro. Ils nous appellent sur place. Vous avez eu la chance. Sinon là, on devait vous citer dans l'histoire ancienne. J'ai dit que maman, que Dieu me préserve. L'histoire de Baudrini, les trucs comme ça, là, je suis quitté dans ça. C'est comme ça que j'ai dit que moi encore, je n'ai même pas, c'est quelque chose que je voulais commencer et maintenant ça s'arrête comme ça là. Que Dieu me pardonne, que Dieu me regarde. Ah, les filles, faites attention. Avec les trucs qu'on dit qu'on va voler là. On va voler quelque chose. Un jour, on va voler notre vie. Faisons attention. Le dehors est mauvais. Moi, j'ai essayé de faire ça. Mais j'ai trouvé que j'ai failli laisser ma vie là-bas. Que Dieu nous préserve tous et que on arrête. Moi, j'ai suivi la voie de ma copine. Et j'ai trouvé que c'est une vie qui va te faire perdre la vie. C'est comme ça que j'ai abandonné. L'histoire de dehors, là, je ne suis pas là-bas. L'histoire du vol, là, je ne suis pas là-bas. C'est ça, mon histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'est extraordinaire. D'entendre de tels témoignages, c'est hors du commun. Nous allons écouter encore le témoignage, c'est parti. Je suis Camerounais résident à Birmingham, en Angleterre, d'où je vous contacte. Et l'histoire que je m'avais vous raconter m'a été rapportée par un ami congolais. Je ne dirai pas duquel Congo, pour ne pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, de vos prescriptions. Dieu merci, il en existe deux de Congo, donc du coup, voilà. Alors, l'ami en question, disais-je tantôt, il est du Congo et je l'avais rencontré au Cameroun. Ça remonte à un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est lui qui m'avait raconté l'histoire. Donc, l'histoire, c'est celle, n'est-ce pas, d'un célèbre musicien de son pays, mais qui à l'époque était basé en Europe. Alors, le monsieur était basé en Europe, et là, c'est une histoire qui date peut-être même d'une vingtaine d'années. Il était basé en Europe, disais-je tantôt, et ses parents, eux, ils étaient au pays avec son jeune frère. Alors, mon ami, il me raconte que il est de coutume chez eux que les artistes, n'est-ce pas, trempent un peu dans du fétichisme. Et donc, cet artiste, en son temps, avait, n'est-ce pas, fait recours à de telles pratiques. Et il y avait un sacrifice humain à faire. Il y avait un sacrifice humain à faire. Et il avait jeté son dévolu sur un de ses oncles. Alors, comment ça devait se passer? Voilà, il a envoyé.
Il achetait des effets vestimentaires de qualité, de marque, qu'il a ensuite amené travailler chez, on va dire quoi, chez son sorcier, on va dire ça comme ça. Donc, et puis il a envoyé les vêtements au pays. Et tout ce que son oncle avait à faire, c'est de les porter, et puis voilà, il trouverait la mort, voilà, de manière très rapide et simple. Donc, naturellement, pour nous tous, pour nous autres qui sommes, n'est-ce pas, en Occident, quand on envoie des colis au pays, ça arrive chez nos parents d'abord. Et puis, s'il y a un ami qui a quelque chose dedans, c'est là-bas, il va récupérer un oncle ou une tante. Donc, c'était pareil pour cet artiste-là. Il a donc envoyé, pardon, il a envoyé le colis. Et dans ce colis, il y avait un petit colis qui appartenait à son oncle, plein de vêtements de marque et tout. Et nous tous, nous connaissons, n'est-ce pas, l'attrait de comme nos frères congolais pour les vêtements. Alors, son jeune frère, il a vu les vêtements et qui étaient en quantité vraiment importante. Et il n'a pas pu résister à la tentation de ne pas chipper ne serait-ce qu'un vêtement parmi ces vêtements. Il s'est dit, mais tiens, mon grand frère envoie plein d'habits comme ça à notre oncle, et puis moi j'ai rien dedans, je veux prendre au moins une tenue. Et ce qu'il a fait, et malheureusement pour lui, il s'est empressé à porter ses vêtements avant même que le principal destinataire ne reçoive le reste et qu'il ne les porte. Et donc, forcément, voilà, c'est lui qui a été frappé par la malédiction qui était sur les vêtements. Et il est parti très rapidement et de manière totalement incompréhensible. Et comme tout bon parent africain, voilà, ses parents n'ont pas croisé les bras, ils ont demandé à y voir clair. Et c'est comme ça qu'il leur a été révélé que, voilà, c'est son frère aîné qui a fait cela. Et d'après ce que mon ami me disait, les parents, ils sont promis de lui régler son compte à leur fils aîné. Genre, tu resteras en Occident toute ta vie parce que le jour tu arrives ici au bled, eh bien, écoute, tu iras suivre ton frère. Et d'après ce que me disait mon ami, cet artiste qui était tellement peiné par la mort de son cadet qu'il aimait beaucoup, a même composé une chanson et qu'il a d'ailleurs sorti, dans laquelle il pleure, il interpelle son petit frère Jarbe, écoute frangin, mais pourquoi avoir pris ce qui n'était pas à toi? Un seul jour m'as-tu demandé quelque chose et je t'ai pas donné. Pourquoi c'était pas destiné à toi? Pourquoi les parents ne comprendront jamais que je pouvais pas, de manière délibérée, te faire du mal? Pourquoi? Donc le gars, il était très triste, quoi. Et voilà. Il était mort de tristesse. Et bon, je devrais dire quand même que l'artiste en question, il est toujours en vie au jour d'aujourd'hui et il repart même désormais très souvent au pays. Et ça dit que il a demandé pardon à ses parents, il les a expliqués, ils lui ont pardonné, je sais pas, ou alors s'ils sont décédés, je sais pas. Mais toujours est-il que le mec, il est en vie. C'est un très grand artiste, très connu. Alors, la moralité derrière, si jamais c'est une histoire vraie, évidemment, je mets des réserves, je l'ai dit à l'entame, c'est un ami congolais qui m'a rapporté cela. Donc, la moralité derrière, c'est voilà, de dire aux gens, contentons-nous de ce qu'on nous donne.
Et des fois, quand on ne nous donne rien, nous ne devons pas nous emporter, nous mettre en colère. Voilà. Parce que parfois, on vous refuse quelque chose, mais c'est pour vous protéger. Voilà. C'est pour vous protéger. Quand vous ne comprenez pas cela et que voilà, vous vous laissez emporter, et malheureusement, des conséquences comme celle-là arrivent souvent. Et c'est simplement dommage. Donc, c'est ça la moralité. Écoutez, monsieur, merci. Wow. Vous avez entendu? C'est extraordinaire. Ma frère, ça, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce banc. Restez connectés. Nous allons découvrir de grandes choses. C'est parti.